L'évaluation de littératie de la 12e année, français langue première, a pour objectif de déterminer votre capacité à comprendre une variété de textes interdisciplinaires et à y réagir. Vos réponses démontreront votre compréhension des textes ainsi que vos compétences en communication écrite et orale. L'évaluation présente une diversité de textes de formes variées, écrites, visuelles ou orales. Par exemple, un texte littéraire, un tableau d'art, une vidéo, une infographie, un reportage. L'évaluation a deux composantes, la composante écrite et la composante orale. La composante écrite de l'évaluation comprend deux parties distinctes, les parties A et B. La partie A et la partie B traitent de sujets différents. Elles sont donc indépendantes l'une de l'autre. L'objectif de la partie A est de vous amener à analyser plusieurs textes de façon critique et réflexive afin d'exprimer par la suite votre prise de position dans un texte argumentatif. L'objectif de la partie B est de vous amener à analyser plusieurs textes liés par un thème commun. Inspiré par les textes, vous devrez par la suite réagir de façon créative en rédigeant une communication écrite dans un format libre. Finalement, la composante orale de l'évaluation est toujours administrée après la composante écrite et porte sur une thématique distincte. L'objectif de la composante orale est de vous amener à communiquer spontanément. Pour en savoir plus sur l'évaluation de littératie de la 12e année, veuillez explorer l'évaluation type et visionner les autres vidéos de la série.